Madame Zebestier, Sophia TV 83, Réseau Pola, Réseau 4x4, là, Réseau Mondial, là, Go Réseau, là. Nous comptons entre la caillou, toujours continuer à chercher information qui fait actualité pour nous capables de nous informer sur ce qui va passer dans l'actualité politique là, dans le pays d'Haïti, coup l'autre bord. Sophia TV 83, Réseau Pola, ou mettre faire une confiance, non pas dans la volonté, non pas dans la diffamation. Nous allons chercher les gens qui ont information, les liens. Côté lié, nous allons inviter ou tendez ensemble avec nous, dirigeant Cap défendre droit moun yo nan pays, qui c'est Pierre Espérance lui-même qui fait confirmer que la police nationale d'Haïti lui-même l'a déjà crasé parce que plusieurs policiers qui n'ont pas yo qui pa gen rôle yo joué dans la société, parce que chaque unité dans la police là gen un rôle. Eh bien, les gardé, nous est policiers par les nationales à participer dans affaires arrestation, à participer dans opération. Eh bien, Pierre Espérance confirmé que la police l'a crasé, DG Léon Charles perd démission. L'autre côté, journée jeudi à Abelson Goneg, qui c'est ancien syndicaliste dans SPNH 17 là, eh bien, lui joint arrestation avec trois nègres dans la police là. Eh bien, pendant la parole ensemble avec vous là, Abelson Goneg, libelle et bien en dedans pénitencier national. Restez connectés, nous allons passer directement dans l'information et nous profiter de vous même qui nous vaut ce canal ça. Ou sous Sophia TV 83, nous portons une nouvelle vidéo. Enjoy tout le monde, nous allons croiser dans une autre vidéo. Et puis, un coup d'appel là tout. Et nous sommes arrivés jour mercredi 17. Et Massa, immédiatement, décision a tombé. Bon, campagne de dénigrement qui commençait contre avocat, qui dit que avocat, et a scellé famille, mais il y a un membre de la famille en clair, qui c'est docteur Bito, et il a passé les familles, et a scellé pour l'argent. Pas de ça du tout. Et puis, ça qui est plus grave dans ça, ou bien des moun des journalistes et qui fait émission pour ça même jeudi 18 et mars pour aider avocat à demander l'argent alors que c'est au même dans micro yo t'a traité moun yo de moun qui a arrêté qui t'a fait qui t'a coup d'état ouais donc ça c'est une stratégie pour décourager moun yo et avocat yo pour moun yo pas de sortir donc on connaît ça t'a affecté en pile. Et par rapport avec tout effort qui a été fait, nous félicitons et famille en tout et démenti ça. Donc, il y a des qui ont été en prison. J'espère que l'avocat va continuer de marcher pour être capable de sortir et dans débit et c'est maintenant. Sous question, la police. La police nationale a écrasé. La police, c'est le nom qui existait. C'est non institution là, mais police à cause. Et nous capables, depuis avant même 12 mars, nous capables constater par les policiers dans l'arrière. Et on apprend que il y a des unités dans la police qui parlent là pour ça, c'est pas rôle, et c'est eux-mêmes qui apprennent quelque côté. Donc, il y a GPN, ou bien il y a une DCPJ, et BRI. Et pour qui ça? C'est parce que policiers, ils ont fâché par rapport avec Jean et tête police a traité, Jean a maltraité, arrêté, mettre faux dossiers sur eux et mettre en prison, transféré. Par exemple, gen G9 là, c'est le plus puissant, bon côté inspection générale de la police, le puissant, bon côté direction générale de la police, côté que gon banan un paquet de policiers, ils ont révoqué, transféré, ils ont mis en isolement parce que policiers ça yo habiter dans des zones que Genève là vient attaquer, tant qu'au Belay, et il y a subi gros persécution. Et nous, ça a passé 12 mars, côté que gros opération qui a fait dans le village de Dieu, nous connaissons qui ça a passé. Il y a 5 policiers qui mourent, et tout le monde a été bandit, sans foi ni loi, il a présenté corps policier, et il disparaît. Quoi? Et bandi yo te kembe yon blende qui était entré dans la villa de Dia, c'était 2. Et direction générale de la police là, li négocié
et c'était Jimmy Cherizier commence les négociations pour eux avec Edouard Sénat et puis Ezekiel qui est en base et Pilate et finalement il paye $80,000 et haïtien et puis il prend une femme qui est entrée avec soutien qui l'autre seulement qui était capable de conduire et Blendea il sorti avec lui pour eux et pendant ce temps corps et policiers qui n'en met et délinquants et bandits, ça pas intéressé la direction générale de la police. Et ça a fait qu'on y a pour être capable de contourner la situation ça, et qu'on y a attaqué les policiers. Répression systématique, nous voyons ça qui passe. Policiers 509 fantômes dans la rue, ils ont fait des ordres, ils ont fait des dégâts, et tout le monde connaît position. Nous-mêmes nous disons que la police est capable de faire revendication passer, mais il n'y a pas de pour le faire dans des ordres. Nous condamnons ça qui fait tout. Et sans pas gagner un rapport inspection générale de la police, pas gagner, directeur général de la police a sorti dans une réunion dans CSPN lundi 22 mars. Et immédiatement après la réunion, ils font communiquer pour la presse, ils disent, ils prennent sanction contre les policiers. Et puis c'est comme ça. Et DCPJ mettait à vie des recherches. Et loi qui crée la police là, parce que le sénateur Sorel t'es participé dans la loi qui crée la police. 94, le monde qui était plus actif, c'est Madistin. C'était dans 45e là. Oui, bon. Non, t'es participé. Ok, ma fille. Très bien. Loi qui crée la police là. Pour protéger l'institution, pour protéger les policiers contre dérive, les policiers pour ne pas faire dérive, ni pour l'autre monde pas faire dérive dans l'institution, ils mettaient l'inspection générale de la police. Et c'est pour ça même. Inspection générale de la police, l'île là, pour surveiller sur le fonctionnement, conditions policières de travail, comportement policier et tout. Inspection générale de la police, l'île là pour faire enquête. Il fait recommandation par le ministre avec le directeur général de la police. Ça veut dire. Au parquet. Moun qui menait enquête là, ce n'est pas lui-même qui prend sanction. Eh bien, je voulais vous dire, où un inspecteur général en chef de la police là, c'est dans la direction générale de la police à l'unité. Il va faire travail. C'est là, il est tout le temps. C'est la police des polices. Inspection, c'est la police des polices. Allez-y. Et puis on rappelle l'inspecteur général là, c'est un ancien capitaine, je veux dire, qui sous les ordres de sous-lieutenant. Au cas couper. On va continuer. Non, pas information, on va continuer, on va le bail. Comment on va continuer? Jodia, policier, parce qu'on m'a souffé en dans l'institution. Et nous-mêmes, nous solidaires avec eux. Li pas normal, sans rapport, sans enquête, sans pas tant de policiers, ou policiers qui doivent faire une infraction, commettre un acte, li jetel, mais ou faut faire effort pour tendre, ou convoquer, pas de convocation, pas de confrontation, pas de enquête, et puis couler. Vous avez pris une décision. Vous prenez une décision contre vous. Et ça qui pire de là, amalgame que vous faites, et avec SPNH là, et 509. Il mettait à vie. Même un policier qui a fait code de fait. Policier a dit, il y a 8 jours. 13 jours la zone. Il n'est pas, pas rentré dans Port-au-Prince. Et il y a avis de recherche de Eldoui. Donc, mais ça n'est a fait avec institution police noire. Donc, c'est une répression systématique. Alors ce que SPNH, son syndicat reconnu par les lois. Par la loi. Donc, il permet que les policiers soient capables de défendre pour défendre l'intérêt institution et son avancée démocratique qui est liée. Et jodi a pouvoir attaquer le syndicat. SPNH. Qu'il reconnaît là. Qu'il reconnaît. Normalement, si un policier font bagaille qui pas bon, poursuivre. Mais pour poursuivre le policier, il faut qu'il y ait enquête. Et c'est même bagaille où il fait dans 12 mars. 12 mars, ou bien pour Pipiti, 6 et ou gradé dans la police là qui concerne. Sans enquête, il commence à étendre au monde, il y a les calendriers bouchés, il y a dans des, il y a mis en isolation. Directeur. Et puis,
te gen deux moun qui responsable Bonio et yo tande yon directeur général la police a ba l'argent et faire sauver yo va quitter pays a gen yon qui aux gen yon qui aux États-Unis gen yon qui en République Dominicaine mais yo faire aller avec famille ou tout yo prend des DDO yo prend des DDO yo retire l'en place ou pas tande mais c'est institution l'état qui pour faire vivre dans le droit pas gros problème pas tande rien donc moi dit messieurs dames peuple haïtien faut nous sauver institution police là qui c'est celle force sécurité qui gagne donc policiers tout pas à faire répression sur population en fond celle avec population insécurité d'état ça qui pouvoir ça institutionnaliser en le pays parfait là on a soupé maintenant n'a pas raison maintenant de nous faire minute pour mobilisation là mais dans les non non allez allez pas de problème pas de problème allez allez merci et ouais donc non. Alors, merci sénateur. Nous tous c'est la mobilisation. Non, nous réveillons. Sénateur Jean-Baptiste bien-aimé qui dit moi. Non, on a mettre là, il y a battre ténèbres en prélude à la manifestation. Parfait. Parfait. Donc voilà, mobilisation, on m'a prêté direct, on va commencer demain. Mais commencer aujourd'hui là puisque moi c'est que panel ça qui tape essayer garder question constitution fondamentalement. Donc c'est toujours en prélude à ces trois journées de mobilisation. Donc nous-mêmes, c'est même mot d'ordre là. Et nous avons revendiqué des droits, mais en fonction des normes démocratiques. Donc selon la Constitution, selon les instruments de droit international des droits de l'homme, en tant que citoyens, nous avons ensemble de droits auxquels on se doit violer, nous là pour nous revendiquer. Donc je dis allons nous décider de changer la Constitution. Selon fantasme, selon sa pensée, ils sont atteints à principe état de droit, sont atteints à principe bonne gouvernance. Et population, hein, dans son ensemble qui mobilise, qui commence à mobiliser depuis en 2020, pour elle continuer à mobiliser. Maintenant, donc demain, si Dieu veut, je me désire là et sénateur Sorel, mobilisation, ce n'est pas une entité, c'est tout le monde. Tout. Et toute l'idée, on a là, oui. Hein? Même Jean Monnet, le musée, on a le premier, on a toujours. Comment et même Jean Monnet le même matin, on a noté que c'est des capes de l'idée. Et dit, même Roninet Roche. C'est vous, monsieur Dou. Les pays en danger, journalistes, citoyens, c'est nous. Madame Pierre-Paul aussi. Tout le monde. Donc, demain, si Dieu veut, c'est pour la première journée de mobilisation. Donc, je connais que toute entité, ou entité politique, société civile, tout le monde est journaliste mobilisé. Donc nous prenons vraiment fond journée, on a commencé à partir de 10h jusqu'à 5h. Donc on a mobilisé dans toute Port-au-Prince, mais les villes de province. Okay, parce Dominique Saint-Éloi m'a un message là pour okay, tout le syndicat. Et tout le syndicat ici et toute ville de tout province. Tout ouvrier ou ouvrier ou donc ces mêmes modèles là sont mobilisation pacifique. Ça veut dire qu'en tant que citoyen, nous ne pouvons pas revendiquer des droits, mais nous faisons selon les normes, dans le respect de la loi. Donc, j'aime toujours dire là, on peut toujours revendiquer des droits, mais maintenant, sans qu'on ne peut pas faire des autres. Chemise en de pantalon. Bon, par contre, nous n'avons qu'à la chemise. Oui, c'est une façon de dire. Mais mon ordre, ça ne fait pas de problème. Nous, parce que ça. Donc, tout le monde a une responsabilité pour vous prendre. Demain, c'est pour le marché tout le monde. C'est pas marché en société civile d'une part et puis politique d'autre. Non, c'est tout le monde. Donc, chaque monde peut des contributions par eux. C'est comme ça, c'est toujours fait depuis le 10 décembre. Donc, on fait le 10, nous faisons le 14 février, nous faisons le 19 février, nous faisons le 28. Donc, nous prenons le faire. 28, 29, 30. Donc c'est ça qui m'a donné là. Et j'aime on a passé la bataille, un message que le dessus te fait passer. Moi, c'est qu'on prend le talent pour le faire passer. Sous question, il y a des gens qui sont venus avec drapeau, la Russie, etc. Bon, même ça va être intéressé. Ça va être intéressé pour les autres qui sont simples. Écoutez. Non, non, pas rentrer là. Parce que débat ça gauche pour la prochaine. Mais sauf que, un citoyen qui a exprimé frustration là. Mais qu'on n'y a même pas quand on est de drapeau. Ok, moi, ça qui est intéressant, c'est que Mounio doit mobiliser okay, pour exprimer rejet de projet dictatorial. Ça. Mm-hmm. Et ça qui est intéressant, moi-même. Oui. Oh, parce que je dis à nous en pleine dictature. Et après ça, toute bagaille. Justement, c'est ça qui est fondamental pour moi. Besoin la, okay? La transition c'est ça qui est fondamental de pour moi. Non, mais bien évidemment, mm-hmm. C'est pour ça que nous-mêmes nous parlons de approche innovante. Parce que nous dit clair que ça n'a vu aujourd'hui, c'est un chèque qui est partagé.
tout le monde a une responsabilité par Qui a battu dans le détail, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour me dire que aujourd'hui, il faut une nouvelle approche. Ça ne pas concerner ou même faut faire comme député. Et bien, la mienne. Je ne vais pas parler moi-même. Je dis que j'ai un pile citoyen, un pile professionnel. Nous sommes responsables. Je dis que nous ne voulons pas que nous cherchions. Ok, faut que nous connaissons que je dis, hein, faut qu'on changement de paradis, faut qu'on changement de formule, faut qu'on changement de postulat. Ce sont mots faciles. Ce sont faciles dans bouche monde. Sous de nouvelles directions. Mais l'on parle de responsabilité partagée. Mais si nous utilisons l'analyse des rôles, mes responsabilités sont claires, nous connaissons les responsabilités de chaque monde.